Dans un sujet à la fois fascinant et alarmant, le côté obscur des pratiques de sorcellerie au Maghreb. Le Maghreb, composé de pays comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, est une région riche en culture et en traditions. Mais sous ce patrimoine vibrant se cachent des pratiques dangereuses liées à la sorcellerie. Tout d'abord, clarifions un point. La sorcellerie au Maghreb ne se résume pas à des sorts et des potions. Elle est profondément ancrée dans les croyances locales et parfois même dans la peur. Pour beaucoup, elle est perçue comme un moyen de résoudre des problèmes personnels, d'attirer l'amour ou de se protéger contre le mal. Cependant, les méthodes utilisées peuvent être très nocives. Dans les zones rurales, il n'est pas rare de trouver des personnes consultant des FQIHH ou des guérisseurs traditionnels. Ces individus prétendent avoir le pouvoir de guérir et de lancer des sorts. Néanmoins, certaines de leurs pratiques peuvent s'avérer dangereuses. Les sacrifices d'animaux, par exemple, ne sont pas exceptionnels. Des poulets, des chèvres et même des animaux plus grands sont souvent tués lors de rituels destinés à invoquer les esprits ou à les apaiser. Ces actes soulèvent non seulement des questions d'éthique, mais peuvent également poser de graves risques pour la santé. Une autre pratique troublante implique l'utilisation de substances nocives. Les guérisseurs traditionnels peuvent prescrire des concoctions à base de plantes toxiques, voire de parties d'animaux considérées comme magiques. Ces mélanges peuvent provoquer de graves problèmes de santé et, dans certains cas, entraîner la mort. L'un des aspects les plus inquiétants est l'exploitation des personnes vulnérables. Les femmes, en particulier, sont souvent ciblées. Elles peuvent être contraintes à effectuer des rituels dangereux ou à dépenser de grosses sommes d'argent pour des sorts qui promettent de changer leur vie. Cette exploitation peut mener à la ruine financière et à des traumatismes psychologiques. N'oublions pas les implications juridiques. Dans de nombreux pays du Maghreb, la sorcellerie est toujours un délit punissable. Les personnes accusées de la pratiquer peuvent encourir des peines de prison, des amendes et même la honte publique. Cela crée un cycle de peur et de secret, poussant la pratique encore plus dans la clandestinité, où elle devient encore plus difficile à réguler. Alors, que peut-on faire face à ces pratiques dangereuses ? L'éducation est essentielle. Sensibiliser aux risques et encourager les gens à se tourner vers des professionnels de la santé et de la psychologie agréés peut faire une énorme différence. Les gouvernements et les ONG doivent intervenir pour fournir un soutien et des ressources aux personnes touchées par ces pratiques néfastes. Il est crucial de respecter les traditions culturelles, mais il est tout aussi important de veiller à ce que ces traditions ne nuisent pas aux individus ou aux communautés. En mettant en lumière ces pratiques dangereuses, nous pouvons contribuer à protéger les personnes vulnérables et à promouvoir des alternatives plus sûres et plus saines. Merci d'être resté avec moi. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour d'autres explorations approfondies de sujets complexes. Restez curieux et restez en sécurité.